Et salut à tous et à toutes, c'est Simu. Donc, je retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie entre guillemets des fauches. Donc, là, on va s'occuper à ramasser tout ce qui est herbe et foin et on va les amener à la ferme. Donc, on va commencer tout de suite. Et pour l'avancée un peu de la vidéo, j'en avais chargé un petit peu. Donc, j'avais chargé toutes les balles de foin, et normalement là il reste plus que les balles d'herbe, mais je me suis rendu compte que la dernière fois, je crois, en fait, elles sont pareilles. On verra bien. Alors, faire chauffer les tracteurs. On est directement celui-là là-bas. Ouais, je l'ai éteint dessus. Waouh! Je suis désolé, hein, j'ai mes souris là en ce moment qui bug plein but. Donc, si ça fait des retours de caméra pourri, hein, je suis désolé. Alors. Oh là! C'est quoi ce freeze là? Alors regardez vite fait si c'est la même couleur. Normalement non, mais les bottes ont l'air pareil. Ah non, elles sont peut-être ouf. Hein? Oh non, regarde, elles sont pareilles. Comment tu veux qu'on les différencie? Oh non, ce calvaire. Bon bah tant pis, hein. Hop là. Elle est prise que sur un pic. C'est pas grave. Je me souviendrai que les deux derniers rangs, c'est des rangs d'herbe. On essaiera d'en mettre une ou deux dans la mélangeuse pour voir arriver à la ferme ce que ça donne. Si ça donne vraiment deux de foin ou deux d'herbe. On va regarder. Il n'y a pas. Il n'y a pas de bottes là-haut. Je sais qu'il y en a une en bas là-bas. Contre le mur. Je l'ai même mis le pic, non? On va essayer de faire ça en vue interne. Je vous dis pas que ça va être de la réussite parce qu'on n'a pas le miroir en haut là, donc pour viser bien comme il faut, ça va être compliqué. Moi j'ai essayé de se caler bien droit. Ah. Hop, on monte. Wow, mais c'est pratiquement infaisable. Non! Ah ouais, mais on n'y voit rien, c'est une horreur. Échec. Bon. Il en fallait bien d'échecs. Ah, punaise. On va essayer de le piquer. Putain, vas-y.
C'est quoi ce délire? Bon, on va la mettre à plat. Hein. Vous avez vu, c'est de la vraie merde, ça se pique pas. Voilà. Je sais pas pourquoi quand elles sont par terre, elles se piquent mieux que quand elles sont debout. Oula, l'autre botte là-haut, elle a bougé, mais c'est pas pour rien. Je vais vite falloir y régler à la main parce que ça m'énerve quand c'est pas droit, si j'y arrive. Voilà. Voilà. C'est déjà mieux. Hop là, on va aller choper la botte là. Et c'est la dernière. Enfin, c'est pas la dernière des bottes, mais ce sera la dernière sur le char. Attention à derrière. On va pas qu'on braque trop. On va enlever ça. Allez. Je sais pas si j'en mets encore deux sur la dernière Iridel ou pas. Je vais tester, je vais voir, mais je pense que ça va être une misère. On va réessayer la vue interne là. Voilà, je suis pas mal. Bon, je commence. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. On va attacher tout ça. Paf, paf. Je vois ce que ça donne si j'en mets une dernière sur la dernière ridelle derrière. Je pense pas que ça soit joli. Est-ce que je peux? Je pense pas parce qu'elle va trop déborder derrière. Off, quoique. Ah bah si. Ah bah ça rentre. Oh puis ça rentre propre en plus. Par contre, est-ce qu'on peut les attacher? Parce que si on peut pas les attacher, là c'est. Si c'est bon. Bon bah on va remettre une encore derrière. Et puis voilà. Un chargement bien plein quand même. Pas falloir que je conduise trop vite avec le char parce qu'il a pas l'air bien stable. Hein. Et si ça c'est pas stable, et ben bonjour. Hein. Je vais faire des tonneaux, mais ça va pas être pour rien. Désolé. Désolé. Là. Alors. What? Pourquoi ça le fait d'un? Là. On va le faire. Alors, est-ce que déjà... Ouais, c'est bon, on va faire comme ça, vous savez quoi.
J'ai une idée. On va pas perdre de temps pour ramener les véhicules. Allez. Ouais, et bah ça se balance dans tous les sens, hein. C'est jamais stable, c'est cher, de toute façon. Quoi, il reste deux bottes? Trois bottes. Oh. Trois bottes? Oh, tant pis, on reviendra. Oh, ralenti coco hein. Même avec le chargement derrière on va pour ralentir bonjour hein. Le chargement pousse au cul. Bien mettre le clignot. Semi RP. Aller trop vite dans le virage. Il me suit toujours l'autre là. Ouais, deux voitures derrière, mais il me suit toujours. Hop là, ça, il n'y a plus d'ATH. Attendez. Il est où mon truc? Parce que le trafic routier, j'en ai marre. Non. Mince. Il n'y a pas juste trafic routier? Là. Putain, il fait quoi l'autre là-bas? Il a capté que j'étais là? Bon, je sais pas. Je crois qu'il s'est déconnecté en fait. C'est pas grave. On y va doucement. Si on y va trop fort, ça va tout se renverser. Désolé. On va y entasser où là en face. Ok. Ouais, on va se garer par là.
Je sais pas ce que l'autre là il fait. Ah ouais, en fait il croit toujours qu'elle est un. Tant pis. Pour le déchargement. Alors, faut décharger les trois premiers rangs d'abord. Ah si, il y a peut-être quand même bien une différence, mais pas wow, pas géante, hein. Punaise. Alors, on va défaire ici. Non, c'est une mauvaise touche. Là, ça s'est détaché. Oh punaise. C'est une blague là. Ok. Bon allez, et décharger ça vite fait. Bon, le foin, on va le mettre au fond et l'air plus là-devant, et puis on fera un écart entre les deux.
Bon, voilà, alors on a presque. Là, je vais finir de ranger la dernière. Tac. Mais en fait, pour que ces bottes. J'ai remarqué que pour que ces bottes elles se piquent bien, en fait, faut arriver en pleine bourre dedans. Parce que. D'accord, donc déjà, elle a lâché. Bon. Obligé d'arriver. Punaise, mais c'est quoi ce délire là? Si t'arrives tout doucement dedans, les pics veulent pas prendre. C'est débile, mais c'est comme ça. Hop. Plus qu'à ranger et nettoyer vite fait le tracteur vu qu'il est dégueulasse. L'autre, hein, parce que celui-là, ça va. Alors celui-là, il va rester là. Je sais pas si vous avez vu aussi, c'est plus simple de les piquer par le côté, les bottes. Moi, j'ai oublié les feux. T'inquiète là. On avait vite fait nettoyer ce bastringue. Après, va falloir qu'on fasse de l'ensilage là dans un peu de temps. Et puis après, on sera au top. Faudra des bottes. Les bottes, on les fera. Ça, je sais pas s'il est sale ou pas, mais je pense pas. Non. C'est juste le timon et le châssis qui est pété. On va reculer. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, hop, on va ranger ça vite fait. Hop là. Voilà, bon bah pour cette vidéo on va s'arrêter là, donc n'oubliez pas de poser le petit pouce bleu, de commenter, ça peut toujours m'aider, de liker, et bah je vous dis à la prochaine les gars, c'était Simu, et ciao bye bye!